What? 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 Oh, mais casse-toi! 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 Oh putain! Help me! Déjà de retour. Oh, c'est à moi que vous parlez! Je n'ai jamais eu l'habitude de parler tout seul, espèce de bouffon. Tu t'es débarrassé d'eux? Ouais! Enfin... j'avais un plan et je pensais... Tu pensais? Tu pensais? C'est moi la tête pensante ici, espèce de mou du cerveau. Mais tu devais seulement éliminer ces deux vermines avant qu'ils ne nous causent de vrais ennuis. Mais je souhaites-tu voulais... Souhaites-tu toujours être le porte-parole mieux payé de ma planète? Oui. Alors la prochaine fois que je te demande quelque chose, fais-le bien! Allez, hors de ma vue! Misérable vermine! Soldat, si je vous reprends déserté, je vous abats moi-même! Eh, faut arrêter le café, moi! Là, Ferminus, vous voyez ces bombardiers? Regagnez les tourelles et abattez ces vaisseaux avant que la planète ne soit plus qu'un simple tas de cendres! Retrouvez-moi à l'entrée de la ville! Il a besoin d'aide. Ah ouais? Ben vas-y, toi, si tu veux. C'est encore un piège! Alors allez! Vas-y! Va casser du méchant! Au moins, je ne suis pas un lâche. Mais ouais, c'est ça, bien sûr. Je vais te dire, dès que j'ai trouvé Quark, je te vends à la casse. Hello, bonjour à tous. Oh, ça explose. Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de Ratchet & Clank. Oui, j'étais dégueulasse dans la dernière vidéo. Et merci à José Lucioni pour cette intro fort très intéressante. La VF de Garfield, hein, au cas où vous ne connaîtriez pas, entre autres, hein, évidemment, entre mille et un autre. Parce qu'il a fait énormément de choses, José Lucioni, notamment dans Mass Effect également, ouais. Donc voilà, merci à lui. Voilà, Zou, 25 munitions. Bien, bien. Je sais, hein, j'ai été un peu dégueulasse. C'était pas forcément prévu à la fin à cet endroit-là. Je me suis dit, oh allez, ça fait longtemps que je vous avais pas fait ça, le bon. Et une nouvelle arme, youpi, le dévastateur. À, pour vous à quoi ça sert de récupérer des boulons si faut qu'on les dépense à chaque fois? Dans ce cas-là, le 150 000 ne sert jamais à rien, quoi. Par contre... C'était pas voulu! C'était pas le bon! Nine! Ah le méchant, oh! Oh yeah! Et maintenant il pleut des boulons. Ah, bon. Ça dans Spyro, vous avez forcément une boule qui arrivait ou un tonneau qui arrivait pour essayer de vous faire rouler dessus, mais non. Pas dans Ratchet & Clank. Bah non, parce qu'on est pas dans Spyro tout simplement. Mais ouais. Oh Peter, bon. Cet endroit-là, on va éviter d'y aller. Hein. Ah, l'ascenseur! Non, non, c'était juste une porte, ok. D'accord, juste une tour. Une mini-tour. Bien, bien, bien. Ah, c'est vrai, mais oui, si je bête. La carte. Voici la carte. Donc, faut aller par là. Bien, 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 oui, oui. Oui. Alors, là-bas, il y a quelqu'un. Ah, par contre, chose qui va... absolument m'agacé cet après-midi, c'est le soleil. Donc voilà, hop, on fait comme on peut. Ouh, 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 ah, ah, ah,
fait, ouais, c'est complètement bon ce truc. Boum. Ah, c'est pas de bol, hein. Oula, mais ça explosait de partout, donc ça explosait de partout. Qu'est-ce qui voit que ce que donc... Quoi? Qu'est-ce qui s'est donc passé, voilà. Ah, elle crocheteur. Elle crocheteur. Voilà. Le crocheteur. Bon. Ah, oui, mais non. Attendez, bon. Quoi qu'il arrive, on est obligé de faire comme ça. Ou pas. Bon. Ouais. Wait. Et non, parce que là, on est obligé de le faire. Ouais. Non, voilà, on est obligé de le faire comme ça, parce que sinon... Si. Attendez. Pourquoi il devrait forcément y en avoir un là? Je déteste qu'il y en a beaucoup comme ça en fait. Frapper là, ça marche pas. Donc on fait comment nous? Ben là. Ah, celui-là c'est obligé qu'il va à peu près, non? Oh putain, c'est en train de me saouler ce truc. Oui déjà. C'est pas forcément le genre de truc que j'apprécie, mais bon. Voilà. C'est pas compliqué, hein, bon. Bon, ça valait quand même vachement le coup, hein, j'avoue. Ça valait le coup. Et voilà, hop. Faites tout péter, hein, j'ai envie de dire, évidemment. Hop. Voilà. Et là, vous voyez qu'on récupère quand même énormément de boulons et tout ce qu'il faut. Bon, on récupère pas les 10 000 qu'on a lâchement dû donner à monsieur, hein. Voilà, mais bon. Comme si non plus on avait le choix. Enfin, si on avait le choix, mais bon. C'est pas forcément le meilleur choix non plus qu'il faut, bon. Donc, ouais, bah, j'ai failli la faire la boulette là déjà. Ouais. Bien. Oh, mais ils sont mignons là, les espèces de... Je sais même pas quel nom pourrait leur donner. Tiens. Ah, alors déjà par là il est faux. Y'a quoi par là? Par là il y a juste une zone cachée, hein, écoutez, bah oui. On appelle ça tout simplement une zone cachée. Voilà. Rien de plus, rien de moins. On a récupéré 2 munitions de munitions de dévastature. Ah bah ça, c'était vite réglé. Bon, machin là, Drake. Drake. Il n'a absolument pas les... Comment dire? Je sais pas trop. Ah, c'est pas de bon moment. Et il a pas vraiment des gros ennemis, hein, pour nous, eh. Je suis vraiment dessous. Là, je suis vraiment dessous, surtout. Ça, alors là, voilà. J'ai bien fait de te trancher. Hihi, ah 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 ah. Bon, je m'excuse, hein, pour les ralentissements qui sont pas forcément de ma...
de ma volonté. Merci. Surtout qu'on passe facilement de 50 à 40. Donc, ouais. Oula, oula, là, 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 c'est bon. Et on fait tourner le ratchet, évidemment. Ah, tout ça pour le pont. Le pont. Il est beau, le pont. Voilà. Hey, hey. En tout cas, c'est très beau par ici, hein, ouais. C'est beau. N'est-ce pas mon ratchet, n'est-ce pas Clank? N'empêche, pour un bébé robot, il est mignon. Oh, d'ailleurs, en parlant de bébé, vous connaissez... Oh putain, attendez, attendez. Oh, on en parle après, on en parle après. Merde, merde. Oh, Peter. Eh ben voilà, eh ben voilà. Magnifique. Oui, vous connaissez... Du coup, je disais... vous connaissez l'histoire de... De où le chien... De où le chien, non, il est pas où le chien. L'enfant où, voilà, l'enfant où. Bon, ok, vous connaissez pas. Que je vous explique. En fait, l'enfant où. Tout simplement, c'est un petit bébé qui se trouve sur le... Sur la route... Et vous avez un camion qui passe, l'enfant fait ouh, et puis plus rien. Voilà. Voilà, c'est totalement dégueulasse. Je sais, c'est moche. C'est paf le chien version humain. Voilà, exactement. C'est paf le chien version humain. C'est dégueulasse, je sais, mais je trouvais ça drôle. Oui, on ne le changera pas à ce niveau-là. Salaud, bidi bidi. D'accord. Eh, attendez. Ah ah. Oh oh. Eh, là, franchement, il y a de quoi applaudir. Non pas le quasi-fail, hein, bien sûr, quoique, il y a peut-être moyen de... Il y a de quoi applaudir, hein, ça, j'avoue, ouais. Il y a de quoi applaudir quand même la fin du... Oh là là, on a failli faire. Ah, c'est que ça arrive vite, hein, quand même, c'est... Mais, arrête. Bonjour et au revoir, également, en même temps. Bah oui, tant qu'à faire, autant faire bonjour, au revoir. On économise du temps. Voilà. Bien, mon chat, y est-on, j'ai failli dire... Ouh là là. Fou, fou, fou. Bien. Donc la suite, elle est par là. Ah, il y a également quelque chose par ici. Quoi, qu'est-ce qu'y a-t-il donc par là? Quoi, qu'est-ce qu'y a-t-il donc par ici? Eh l'abruti, putain de merde! Désolé pour cet excès de vulgarité, c'est vraiment sorti de nulle part. En même temps, je cultive une certaine frustration depuis quelque temps. Donc oui, forcément. Forcément. Non, je déconne, bien sûr, mais bon, après ce qui s'est passé dans les dernières vidéos de Ratchet, vous pouvez comprendre que... Ben, que je sois forcément un peu frustré. Mais... Ah ah. Boum. Ouais. Ah ah. Nous sommes dans une zone secrète. Ou plutôt une zone secrète. Voilà, pour vraiment faire un accent. Un boulon en or. Youpi. Putain, pourquoi on peut pas les revendre ces boulons, sérieux? Hop hop hop. Je suis sûr que ça se vendrait bien en plus, ces merdes. Oh putain, il y avait un mini trou, j'ai failli tomber dedans, quoi. Ça aurait été le pile comme par hasard. J'adore, c'est que ça ne vole pas du tout. En fait, ça sert à rien de faire ça en courant comme ça, ouais. Faut pas appuyer sur R1 et la croix, parce que ça sert pas à grand chose. Enfin, c'est pour ici ou non? Ah non.
du coup. Il y a une zone à gauche. Ouais, mais là c'est pour tomber. Ah, ouais, bon, ok. Mais de toute façon, il y a d'abord cette zone-là, voilà. Et je fais bien d'y aller puisqu'il y a un point de vie qui m'intéresse fortement. Eh, je suis passé de 16 000 à 20 000 quand même dans cette vidéo. Ouhou. Oui, il y a de quoi se réjouir. Allez. Et on coule, et je coule. Oh putain, oh putain, oh putain. Yeah. J'ai pas eu le temps de réagir. Bien. J'ai vraiment cru que j'avais failli sur cette merde quand même. J'y ai vraiment cru. J'y ai vraiment cru. Mais il croit quoi notre con là-bas? Attendez. C'était pas forcément le gant à mine que j'ai besoin. Peut-être le plasma mitraille. Si le plasma mitraille y arrive. Ah ah. Ah c'est bon ça. Eh. Oh le boulet. Moi que là. D'accord, ok. Monsieur se fait toucher donc il se casse parce qu'il est trop con. Ok. Par contre celui qui est trop con, surtout pour l'instant c'est moi parce que je suis au bord de la mort. Alors là celui-là il est pas vu venir. Oh il n'a pas venu. Ah oh, et moi non plus j'ai pas vu venir. Oh putain j'ai failli me faire rouler dessus. D'accord. Attendez. Ouais. Parce que j'ai pas envie de me faire arnaquer en me faisant rouler dessus comme un débile donc bon. Non, c'est pas forcément ça que je veux. C'est un gant, Tamine. Voilà. C'est ce qui s'appelle être très efficace. Putain, mais il est chiant, lui. Oh. Eh bien, voilà. Par contre, il est au pignouf, là. Oh, Pignouf! T'es où? Et où? Ah, il est là-bas. Ce qui est bien, c'est que tu n'as pas le choix, en fait. Tu es obligé de le suivre. Donc, en espérant ne pas te faire toucher, quand même. Ah. On a eu chaud sur l'affaire. Hein. Oh! Je vous assure que j'angoisse depuis... Du coup, vous êtes obligé de recommencer tout ça. Je ne dis rien, mais vous savez très bien ce que j'en pense. Oui. Oui, oui, oui. Ah. Un peu de boulon en or. Ah, 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 ah. Ça, je suis le premier à approuver. Olé. Voilà, hop, ça c'est réglé, merci beaucoup. Et vous ne récupérez pas les boulons, il y a quand même de quoi être sacrément frustré là-dedans. Oh. Oh pétard! Je l'avais zappé lui. Ah au fait, mais oui, mais je suis con, en même temps c'est la partie 12, faut pas que je me surprenne. Bah oui, c'est logique. Putain, allez vous faire feu. Voilà. Pas compliqué ça, bon. Voilà. Pardon, désolé pour cet excès de... d'agacement. En même temps, partie 12, vous attendez à quoi, vous? Hein, forcément. Arr. Putain, évidemment, faut que je me fasse toucher, quoi. Ah. Ah ah. Ah bon. Il y a quelque chose par là, oui, il y a quelque chose par là.
Mais je suis sûr qu'il y a encore quelque chose par là. Ah, oui, ça, tout à fait. Hop, c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Voilà. Bien. Ah merde, et du coup, je récupère que dalle. Que chic. Que chic, que chic, que chic. Oh pétain. Bon. Alors bon, on va vite exploser ça pour être tranquille. Voilà, bien. Et maintenant, il n'y a plus qu'à balancer un gang ravageur. Alors là, il va aller exploser le machin. Voilà, boum. Allez, zou. Voilà. Et maintenant, quand les ennemis vont sortir, alors là, il va se faire pulvériser. Ouf, ça a explosé, dis donc. Ça a explosé. Ah ah. Vous n'avez pas forcément de souvenir de ça, mais c'est pas grave. Ensuite, par là-bas. Ah, il y a toujours le point de vie, ça c'est génial, vous voyez. Les points de vie restent là, j'ai envie de dire, heureusement. Ah. Surtout quand ça vous est utile, en fait. C'est surtout quand ça vous est utile que... Vous êtes content que ce soit là. Putain, salaud. Magnifique. On a évité une pôle explosion, oui je le conçois. Allez les mecs, allez-y. Voilà. Et du coup l'autre il va lui faire sa fête. Regardez ça, ça va être magique. Il me semblait qu'il y en avait plusieurs, mais oui. Eh oui, hein, il y en a plusieurs. C'est magnifique. Alors j'ai vu qu'il y en avait un là-bas. Attendez. On va lui en placer une bien fourbe. Comme ça quand il va bouger, il sera sûr d'être foutu. Et ben voilà. C'est quand même tellement magnifique. Ils voient rien et du coup ils sont complètement foutus. Je suis fier de ce piège là, ça change. Pour une fois que le type a des bonnes idées, vous voyez, c'est bien s'en servir. Récupérer le gang des ravageurs parce qu'on en a quand même besoin. Mais alors vraiment besoin. Hop, marche pour le pont. Ainsi. Ah. Ah, yar, c'est lui. Rien à faire, ça bouge pas. Ni à part les armes nucléaires, j'ai tout essayé. Bon, c'est pas grave. Vous laissez pas miner, mon gars. Allez, à plus. Pas si vite, soldat. Vous irez là-dedans même si je dois vous y pousser. Haha, ce conduit d'aération mène à la plateforme de la tourelle. Soldat, essayez de vous infiltrer dans ce conduit discrètement sans vous faire remarquer. Vous avez fait preuve de courage pour arriver jusqu'ici, soldat. Cela mérite une bonne récompense. J'ai intercepté ce communiqué qui peut vous être utile. Prenez-le. Je pars retrouver mon bataillon. Bonne chance. Rebonjour, chers amis Blargues.
J'espère que vous vous portez bien. Comme beaucoup le savent déjà, notre planète n'est désormais plus habitable. Nous avons perdu nos usines, nos laboratoires et notre douce existence à cause d'une pollution sans précédent nous forçant à tout abandonner. Heureusement, les planètes voisines nous fourniront tout le nécessaire pour créer une nouvelle terre d'accueil. Et nous touchons presque au but. Une fois que notre scientifique aura trouvé l'orbite idéale, notre nouveau monde sera parfait. Réservez vite votre emplacement. Les meilleurs sont déjà pris d'assaut. Bonne journée. Maintenant, tu comprends pourquoi il faut l'arrêter. Il ne renoncera pas tant que toutes les planètes ne seront pas détruites. Ah ouais? Ben moi, tu vois, j'ai d'autres chats à fouetter. Oh, et qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ah, laisse tomber, c'est une expression. Bon, dis-moi, ce commando, il a pas dit qu'on pouvait entrer dans la tourelle? Si, grâce au conduit d'aération. Mais nous ne pourrons pas marcher sur cette surface. Bon, ben moi je vais faire piscine alors. On reviendra plus tard, allez. Bon, on va aller faire piscine du coup, hein, oui. Il te faut une paire de magnétibots, Gadgetron, pour traverser ce conduit de ventilation. Hélas, nos scanners ne détectent aucune sur cette planète. Magnifique. Donc du coup, on va pouvoir aller sur l'autre planète. Mais, ouais. Oulévèche. Munip. Ah d'accord, ah cool, eh hey, ça se retourne au verso les gens. Bon on y va hein. Bon je sais là c'est plus avion mais bon. Vion, voilà, on y est. On est vion. En tout cas, ce monsieur Drake est vraiment très très méchant, dites-moi. Il veut donc détruire toutes les planètes, c'est... Ouais. C'est logique sans être logique. Alors, on entrait dans le vaisseau. Oui. Nous allons donc sur la raffinerie de Kogor, à Orkson. Bien. Attendez. Sur celle-là, on avait à reconnaître la zone, ça c'est pas encore fait, mais explorer la ville. En même temps, on n'a pas pu tout faire, franchement. Et voilà. Direction Orkson, voilà. Attention, masque O2 obligatoire pour toutes les formes de vie organiques. Ah bah c'est un niveau Clank alors. Hein. Ah c'est bien ça. Bonjour, je m'appelle Clank. C'est moi qui vais faire la mission maintenant. Parce que Ratchet a piscine, c'est surtout ça en fait, ok. Il avait aussi d'autres chats à fouetter. Oui, les autres, parce que ceux-là il les a déjà fait, lui. Enfin bref, on y va Clank, on arrête de dire n'importe quoi quand même, voilà. Le Clank ramasse des munitions plus grosses que lui quand même, c'est... Où tu ranges donc tout ça? Tu serais donc comme Miranda? Oui, encore une fois, c'était gratuit, encore une fois, c'est Miranda, je sais. Mais ça passe tellement partout. On dirait elle aussi. Bref, voilà. Bref. Ah mais oui, attendez. Ah, attendez. Oh pétard la zone. Heureusement qu'on est à 27 minutes qu'il faut que j'avance un peu parce que sinon j'étais prêt à vous dire on arrête là parce que j'en peux plus moi. Bon je taquine bien sûr mais bon. C'est un peu ça l'idée. N'empêche on voit bien la planète polluée hein ouais. Pourquoi une planète polluée doit absolument se tenir en vert bon. Oui.
En même temps, je t'ai foutu, donc bon. Voilà. Tant qu'à faire, hein. Voilà. Mais oui. Non. Pourquoi tu grimpes dessus, Clank, voyons. N'as-tu donc rien appris de Ratchet? Ah, c'est bon, ouf. On peut quand même passer les zones enfumées. Heureusement, j'ai cru que j'allais vraiment faire le parcours du combattant. Oh putain, vous... Bon, heureusement, c'est un cafard, mais le c'est un cafard mutant. Cafard mutant, ah non, cafard ninja, cafard ninja, cafard ninja, cafard ninja. Oui, je sais, c'est la version tortue ninja du cafard. D'accord, bien. L'espèce de cafard géant m'a complètement... cafard ninja, pardon. Et géant aussi, oui. M'a complètement défoncé, donc bon. À mon avis, je pense qu'il y a une autre solution. Mais pour l'instant, je sais pas comment elle va s'appeler, autre solution. Ah. Ah. Alors ça marche aussi en faisant ça. Vous êtes obligé de me faire avoir ces sales bestioles là. Voilà, c'est dégueulasse, ça explose comme ça, on a un million de morceaux. Ah. Les mini-bots. Celle qui vous lâche les bots, forcément. Vas-y, passe dans le rayon. Voilà, bien. Attends. Attends. Vous voyez que ça marche un peu. Ah. Ah bah non, bah oui, mais il aurait pu. Bah oui. Il aurait pu, eh. Il aurait pu avoir quelque chose. Eh ouais. Alors lui, il surveille le... notre ami, hein. Allez hop. Attendez, on va le faire la live. Suis-moi. Ou plutôt, suis-moi. Suis-moi, monsieur. Voilà. Attends. Ok. C'est tellement n'importe quoi. Ben voilà, vous voyez comment ça explose, c'est quand même beau ça. Bon, bonjour monsieur, je vous prie de me suivre. Plutôt, attendez, j'ai autre chose, j'ai d'autres chats à fouetter. Hein. Encore, moi aussi. On a tous des chats à fouetter. Ou pas des chats, hein, ça dépend ce que vous fouettez, mais bon. Oh, ouais. Ce robot est vraiment un robot mudocon. Biou! Suivez-moi, messieurs. On y va. Est-ce que vous êtes prêts? Attention! Attaquez! Oui, 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 oui! Bah, vous voyez. Donc, eux arrivent à le détruire, mais pas moi. Bien. Vas-y, attaquez-le, voilà. Pourquoi c'est moi qui dois faire le seul boulot? Trois! Il y en a trois! Et c'est ainsi qu'on va sauver trois mudocons. Ce qui devrait porter notre total, ben, à un 3, forcément. Sur ce niveau, bien sûr, parce que sinon... Ah, d'accord. Ok. Le clic droit est intéressant. Entrée. Yo, 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 yo. Ah, voilà. Oh putain, mais il a pris quoi, lui? Bien, bien, bien. So. Viens donc par ici, toi. Voilà. Hop, hop, hop. Ha ha ha, ha ha ha. Voilà. Bien. Ensuite, mon petit... Ah bah, 31 minutes au fait, lui. Ah merde, je peux pas aller par là du coup, mais puisqu'il y a un méchant monsieur là-bas. Il y a un méchant monsieur là-bas. Alors, attendez, hop, vous... on va leur régler leur compte. Attaquez! Ils sont géniaux. Ils font tout à votre place, quoi. Des vrais larbins. Oh, j'adore. J'adore. Restez pas là! Ça aurait été drôle. Si j'avais su, j'aurais fait autrement. Bah, attendez. Alors, attaquez! Voilà. Attends. On les a vraiment tués. On est des criminels. On est vraiment des criminels, sérieux. Oh là, c'est tellement méchant. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Voilà.
tellement dégueulasse. Je suis tellement méchant. Ah bah heureusement qu'il révèle la classe départ. Si seulement ça marchait aussi pour nous. Suivez-moi. Au pied. Vont-ils y arriver? Eh ben voilà, voyez. Ils sont doués ceux-là quand même, hein, ouais. Donc par ici les pioupiou là, voilà. On y va, on y va, on y va. Toin, toin. Bien, bien. Alors... Zoup. Je vois comment ça montre. Zoup. Bloulup. Bien. Aïe, 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 aïe. Ah, suis-moi. Parce que t'es trop con pour pouvoir me vouloir avancer tout ça, lui, forcément. Surtout ça. Voilà. Oh, tu m'as sauvé. Oh, je t'aime. Oh, bisous. Bisous, cœur. Voilà. Hop, bah, voilà. Ils sont tellement gentils. Vous voyez, ils vous suivent quoi que vous fassiez quand même. Hein. Vous fouetteriez des chats, ils vous suivraient quand même. Vous voyez, c'est... C'est bizarre, du coup. Vraiment bizarre. Ouais. Ouais. Ah, non. Du coup, faut que vous me suiviez là-bas. Et donc voilà par ici. Nickel. Donc, si vous pouviez avoir une zone dans le coin là pour pouvoir sauvegarder, ce serait génial quoi. Mais ça serait quand même sympa. J'ai pas forcément envie de recommencer maintenant donc bon. Et maintenant, entrez tous. Ah, et la porte s'ouvre. Nice. Putain mais le type il est con. Bon vous me suivez les boulets là. Suivez-moi bande de boulets, voilà. Pétard je vous jure. Attendez. Sérieux, il y a vraiment du Abe là-dedans, quoi. C'est très... C'est trop mignon. Par ici. Voilà. Par ici. Hop, voilà. Merci, oui, je sais, tu es content de me voir, hein. Ça va. Oh, putain, me dites pas qu'il les a écrasés. Ah non. Voilà, quand même, bon, j'allais dire, il les a complètement explosés. Lui. Attaquez! Et ben voilà. Ah. Regardez ça. Ah, attendez, il doit y avoir quelque chose à cet endroit-là pour faire ça. Ah, ah, d'accord. Bien, ok. Casse-toi, toi. Voilà. Il a failli faire n'importe quoi, je vous jure, ce clank, mais alors vraiment. Mais alors vraiment, quoi. Ouais, vraiment. Bien, voilà. Récupérons quand même ce qu'il nous faut, hein. Ouais, vous avez raison. Hop. Le boulet. J'avais donc fait rock des conneries, hein. Yeah. Par contre, si on pouvait finir là, ce serait génial. Parce que ça... Non pas que ça commence à faire long, hein, loin de là. Attention, je vous aime bien, hein, quand même. Mais, ouais, quand même, ça... Quand c'est trop long, c'est trop long. Non, ça, c'est pas trop long, ça. C'est juste que j'ai toujours... D'accord. Peur qu'il y ait une... J'ai toujours peur qu'il y ait une couille. Oh, putain. Attendez, il y a d'abord tout ça là-bas à récupérer, bien. Ah oui, youpi, oh là 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 là. Suivez-moi tous. Et hop. Attendez ici maintenant, bien. Maintenant, on peut donc passer, voilà. Bien. Bien. Ah. Bon. Alors, hop, pied.
Voilà. Vous voyez qu'ils sont obéissants, plus obéissants que certains munocons. Voilà. Ah oui, pardon. Entrez. Voilà. Et attention. Je vous libère. Oui, 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 oui. Oui, je fais bien le mulocon aussi, ouais. J'ai dû être mulocon dans une autre vie. Bon, elle a dû être courte celle-là, j'avoue, mais bon. C'est vrai, elle a dû être courte. Oh bordel. Oh bordel. Ouais, bon. Écoutez, j'en ai un peu marre et je vais voir. On va surtout voir si ça se regarde comme ça, j'espère, parce que sinon il faut du tout recommencer. Donc bon, voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je fais des gros bisous, je vous dis bye bye.